Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou et Oussama qui répondent aux rumeurs de rupture. Comme vous le savez sans doute, les deux candidats de télé-réalité sont en couple depuis quelques semaines. Si leur relation avait surpris les internautes au départ, Oussama et Sarah se sont rapidement affichés très amoureux. Mais il y a quelques jours, une rumeur a vu le jour sur les réseaux sociaux. Ils se seraient séparés. Il faut dire que les deux n'avaient plus été vus ensemble pendant quelques jours. Hier, Sarah a tenu à prendre la parole et dit tout. Alors, est-elle toujours en couple avec Oussama? Elle se confie sur leur relation. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde. Moi, personnellement, comme on respecte les dimanches, grâce mat. Là, c'est plus grâce mat, c'est grâce après-midi avec. Non, clairement. Je me suis bien reposée. Aujourd'hui, on évite le sport. Ah ouais, j'ai une trop grosse annonce à vous faire. Malheureusement, vraiment, je suis grave peinée de ouf. J'ai un truc qui me tient sur le cœur. Moi et Oussama, c'est... c'est très compliqué en ce moment. C'est trop compliqué. On s'est séparés. Ouais, on s'est séparés apparemment. Oh, on s'est séparés une après-midi pour qu'il aille faire ses trucs. Ouais, de ouf. Une après-midi, gros. Très grave. Une après-midi, on est plus ensemble, ça y est. T'as, t'es là, tu fais ta vie et tout. Mais en vrai, les gens, ils savent jamais ce qui se passe derrière l'écran. Non, on était obligés de vous faire un peu cette phase-là ce matin, vraiment, parce que, en fait, il suffit qu'on ait envie de profiter de notre vie et nos moments à deux et qu'on n'ait pas forcément envie de les exposer, qu'on est automatiquement plus ensemble. Non, si vous voulez savoir mon état d'esprit maintenant... on est très bien, vraiment pour le coup. On est deux nerveux, oui, ça peut péter comme tout le monde à temps en temps et vraiment pour des trucs balourds en plus. La dernière fois qu'on s'est énervé, c'était quoi? Pour un coca, frère. Non, je lui ai laissé un vu. Ça, c'était la dernière embrouille. C'est parce que j'ai lu un message et j'ai pas prêté attention, donc la dernière embrouille, c'était ça. Mais en vrai, je vais vous faire un récapitulatif. Franchement, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis très, très, très heureuse. Je vous le dis. Et comment vous dire? Je vais pas faire l'erreur de vous dire « Ouais, on va rester à vie ensemble et tout. » En tout cas, on le veut. On s'aime bien de fou. On n'a pas envie de dire des trucs parce que vous allez nous prendre pour des oufs. Des oufs de ouf. Je pense qu'on est fous. Mais je pense qu'on est vraiment fous. Mais voilà. Maintenant, pour l'instant, on vit notre vie, on kiffe, on se kiffe. Plus les jours passent, plus on s'attache de plus en plus. Je crois que vous pouvez même pas l'imaginer. Et si un jour, ça doit péter, je l'espère pas, Inch'Allah, ça pètera comme tous les gens normaux, en fait. Et si ça doit continuer, ça continuera. Et si vous devez encore semer derrière vos écrans, semez toujours, c'est pas grave. Je vais vous dire un secret. Vous savez que moi et Oussama, on n'arrive pas à dormir le soir. Parce qu'on parle trop. Qu'est-ce que tu parles? La vie de ma mère. Genre, je sais pas si ça c'est vous a fait parles. Ça. Attends, si on parle trop, non, c'est toi qui parles. Merci. Moi, j'écoute. Tu débites autant que moi. Hein. Non, arrête de faire le mec. Moi, j'écoute. Bref, trop de trucs à se dire. Vraiment. Il n'y a pas une seconde où on se dit pas des trucs. C'est trop bien. On rigole et tout. C'est trop bien. On s'ennuie jamais. Mais t'as acheté, wesh, frérot, on dirait qu'on va plus sortir. Ouais, t'es... là, il y a trop de boissons. On va faire une soirée. Mais je bois beaucoup. Il y a une soirée à faire. Je bois beaucoup, j'adore les boissons. Merci, bébé, pour mieux. Ouais, j'ai acheté ce riolet. La dernière fois, tu m'as pris de la soumise, frère. Ouais, la dernière fois, oh, j'ai fait une dinguerie, les amis, je vais vous expliquer. Genre, j'ai voulu faire la bolos, sincèrement, je vais me confier. J'ai voulu faire la bouffonne de ouf. Genre, j'ai voulu lui faire plaisir parce que, en fait, j'écoute tout ce qu'il me dit, ce qu'il aime pas, ce qu'il préfère pas. Et je suis partie faire des courses et tout. Je suis là et tout, et j'ai vu les trucs Maminova là. J'ai vu riz, j'ai vu lait. Donc lui, il m'a dit, il aime bien les riz au lait et tout. Je prends les trucs, je suis trop content, je rentre à la maison, je dis, oh, regarde ce que je t'ai pris. Sur la vie, donc je continue, il commence à manger et tout. Il me dit, oh non, j'aime pas.
Mais tu m'as pas dit, t'aimes bien le riz au lait? Je veux pas manger. Il me dit, c'est de la semoule. Il me dit, c'est de la semoule, c'est mort, je mange pas. Oh, j'avais trop le démon. J'ai pris du couscous, frère. Non, là, je t'ai pris du riz. Là, c'est bien du riz au lait. Ouais, là, oui. C'est bon, alors. C'est la balle. Je vous jure. Et j'avais tellement le seum de moi. T'en veux? Non, mon cœur. Je suis au régime. Tout ce qui est riz, tout ce qui est pâte, c'est mort. Tout ce qui est pain, là, c'est on, mort. Là, on sort manger, tu as mangé quoi, t'as Pavé de saumon, légumes. Non, ça fait une semaine que tu manges du pavé. Mais c'est mon régime. Ah oui, les amis, vous me demandez mon régime. C'est un repas par jour, pavé de saumon avec légumes. Et si vous avez faim, des fruits. Voilà. Pas mal. C'est bien, non? Ça a marché, un repas par jour. T'as perdu combien de kilos? Moi, j'ai perdu 9 kilos, frère, en un mois, gros. Non, c'est énorme. Mais parce qu'il suit ma rythmique. Vous avez vu, mon régime, il marche à la vie de ma mère. Il mange comme... En vrai, je sais pas, mais je pense que peut-être... Je vais vous sortir une trame de mon régime, je vais vous la balancer. C'est simple, très simple, mais très efficace par contre. Après, je suis jamais. Non, mais même lui, et on regarde, il me dit, mais ah, comment tu fais pour perdre 1 kilo par jour? Tous les jours, tu perds 1,5 kg. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Tout le monde me demande. Et il me croit pas quand je dis que je mange un repas par jour. Parce que, en fait, ouais, vous... Ouais, mais parce que les gens, tu sais, ils font quoi? Ils se disent, non, Sarah, ça doit être une grosse, elle mange vraiment. Mais j'ai toujours été une grosse qui mange pas. Mais avant, je mangeais tard. Ah, bébé, viens, on fait un conseil. Programme Sarah, vivez avec nous. C'est la merde, les gars. Vous allez craquer. Une astuce, si vous voulez perdre du poids. Mangez des pruneaux. Ça vous envoie aux toilettes fort. Fort, fort, fort. Comment l'équipe? Bien quoi? Bien dormi? Moi je viens de me réveiller. Franchement j'ai très très mal dormi hier soir, j'étais pas bien. J'étais dans le mal total, frère. J'ai vu un peu que apparemment Sarah et moi on n'est plus ensemble. Bah malheureusement. T'es là? T'es encore là? Bah elle est toujours là, frérot. Elle est toujours là, gros. Apparemment on n'est pas ensemble. Désolé, on peut pas vous faire ce plaisir. Pas maintenant en tout cas. Tous.